Mon frère, j'allais te demander, avec tout mon amour que j'ai pour toi, attends, s'il te plaît. J'ai mal au cœur quand je te vois là, hein? Ça veut dire que pour moi, quand je te vois avec toute ma tristesse de mon amour, est-ce que l'État belge te t'aide? Il t'aide au niveau du Mimex, hein? Bon, est-ce que ils t'ont donné déjà un endroit où tu peux aller résider ou dormir? Tu as un endroit qui est sûr? Qui est sûr? Bon, c'est pas grave. Mais voilà, donc ça c'est un film dont j'ai donné un bon sens. Mais c'est un peu triste quand même, c'est pas grave ça. Ouais, mais quand je vous dis madame, c'est un peu triste, mais je réalise tout simplement des films que quand j'ai demandé à ce monsieur, j'ai dit, est-ce que l'État belge vous aide? Il m'a dit oui. Mais à partir de là, je dis, mais est-ce qu'il vous donne un toit? Vous savez, le problème, ce qui se passe, c'est quoi? Beaucoup des humains qui sont ici dans une capitale, déjà ici, on les aide. J'ai été au Congo, j'ai vu qu'il n'y a rien. Au Congo, on ne te donne aucune aide. Mais la débrouille étant plus agréable qu'ici. Le sourire. Le problème, c'est quand tu vois, par exemple, un frère qui donne un mauvais sens et que ça fait mal au cœur. Hein, tu lui dis, mais c'est pas, je ne veux pas lui dire, viens, je t'amène dans une église comme d'autres frères africains font ça. C'est l'hypocrisie. On t'amène dans une... Non, je ne me compose pas. Je t'amène dans les endroits où on peut donner un très bon sens à t'aider financièrement, à te donner un toit, hein, à te donner aussi à manger. Il y a plein d'endroits, madame. Je connais plein d'associations qui donnent à manger gratuit, où il peut aller se laver, il peut avoir même un endroit où dormir. Voilà, il y a beaucoup de gens qui viennent se composer, qu'ils ont ça, mais ils en ont marre. Peut-être qu'est-ce qu'ils en ont marre? Ils ont été déçus de cette vie et qu'ils se composent de manière qu'ils se laissent aller. Hein? La vie est un combat que si tu baisses les bras, ben à ce moment, c'est elle qui t'écrase. Hein? Tu ne dois pas te laisser écraser. De manière que, quand je vous dis ça, de dire si tu te laisses écraser dans cette vie, mais elle va te bouffer la vie. J'ai été au Congo, j'ai vu des gens qui souffraient encore plus que ça, mais ils avaient la foi et la joie, quoi. Hein? Des handicapés que je me dis, mais on ne donne aucune sécurité à ces handicapés. Ici, on donne les handicapés, on leur donne tout, tout bonheur. Ceux qui sont, par exemple, malades, ils n'ont rien. Ils vont voir les psychiatres, ils disent, je suis docteur, je suis malade dans la tête, je suis déprimé. 1 500 €. C'est une joie ici. Hein. Tu as rien, 1 500 €. À partir de là, je vois simplement un frère qui souffre de cette manière. Mais quand je le vois lui, et que je vois beaucoup d'autres personnes parfois que je peux filmer de cette manière, que ce soit aussi des blancs, c'est la même chose. Je vais essayer de leur donner un peu une force pour dire remontez-vous. Mais il y en a beaucoup qui ne veulent pas ça, quoi. Voilà, mais qui ne veulent pas ça et qui se disent. C'est pas important, je suis content là où je suis. À ce moment, bah, paix à son âme. Et comme je dis, chacun de nous qui va mourir aura droit au paradis. On ne va jamais décrire que le paradis est défini pour celui qui est propre. Et celui qui est comme ça n'aura pas le paradis parce qu'il est sale. Ça ne veut rien dire. Si ce monsieur qui est très propre dans mon amour pour moi... quand il peut aller dans une église qui nous a appauvris dans nos pays en Afrique, les églises vont dire, ne rentrez pas. Pour quelle raison vous nous dites, ne rentrez pas, vous représentez votre Jésus. À ce moment, vous définissez que celui qui doit rentrer au col blanc avec sa belle voiture et que c'est peut-être un voleur. La mafia en Italie où il y a le Vatican, tous les mafieux vont dans les églises de bonne foi pour savoir que ce sont des tueurs. Merci. Voilà, donc on continue ce film, qui est agréable, évidemment. Je donne toujours ma conscience dans ces films, pour donner un très bon sens à ce que je fais, évidemment. Donc c'est la réalisation dont je donne toujours conscience de mes passages, dans tout ce qui peut me marquer, évidemment. Hein. Donc on peut y voir simplement que les humains, ou comme je peux dire, les animaux humains, ne donne un mauvais sens à l'aide qui peut être entre eux. On va regarder un humain de cette manière, on va le regarder quand même moins que rien. C'est un misérable pour eux, parce que ceux qui peuvent se composer de beauté sont c'est ceux qui représentent la beauté, donc la propreté pour Dieu. On va dans les églises, on ne peut pas accepter un monsieur pareil, parce que c'est dégradant. Pour quelle raison? C'est dégradant pour savoir que Jésus qui a composé la pauvreté a aidé le pauvre, a aidé celui qui est malade, et à ce moment on va donner un mauvais sens
à ce monsieur qui est tout simplement un représentant de la misère. De quelle manière? On ne peut pas accepter cette injustice. Donc c'est un peu injuste ce qu'on peut voir simplement. Ici, par exemple, on voit un monsieur avec des chiens. Est-ce que vous aimez les chiens, monsieur? Bon, vous savez que la nature animalière, comme vous pouvez voir, vous avez vu que j'ai un aigle, hein? Ça? Ah ouais, voilà. Joli. Voilà, pour quelle raison? Parce que les animaux, dont je donne plus de respect aux animaux, les animaux, comme on peut y voir, comme on dit, les animaux ne le pensent pas, je donne plus de respect à ces animaux que ces animaux qui sont composés de cette manière. Parce que c'est eux qui font du mal. C'est eux qui font du mal. Et ça, c'est eux qui font du mal. À partir de là, je continue toujours dans ce sens de mon film, qui donne un très bon sens dans la réalisation. Donc, voilà. Donc, il faut toujours donner un très bon sens dans la réalité de ce que tu fais, quoi. La vie est comme ça, quoi. Si je dois faire des projections de mes films pour passer, c'est gratuit. Je ne viens pas demander de l'argent pour gagner de l'argent sur l'injustice de ces humains qui veulent s'enrichir sur le dos des autres. Je ne peux pas accepter ça. Je me compose avec peu d'argent, hein, mais je donne un très bon sens à ce que je fais, quoi. C'est juste ça qui est le plus important pour moi. Et voilà, donc je continue toujours à vous déterminer ma pensée. Par exemple, ici, on va voir une femme qui vient, par exemple, on voit une femme avec un enfant. C'est bien triste de voir ça. On demande, par exemple, madame, vous parlez français, est-ce que l'État belge vous aide? L'État belge. Bon, elle parle pas français, elle comprend pas, hein. Ça veut dire que parfois, bon, elle peut être ici, mais elle peut revenir peut-être dans un autre pays. Bon, les gens seront peut-être plus généreux ici à donner quelques pièces pour sa survie. Bon, si elle allait par exemple au CPS, elle a un enfant, il est normal peut-être qu'on pourrait l'aider, hein. Bon, est-ce que c'est une Roumaine qui, ou peut-être qui a déjà le soutien de l'État, ou qui n'a pas le soutien de l'État, qui se retrouve avec un enfant en bas âge, c'est bien triste tout ça, quoi. Hein? À partir de là, je me demande bien, c'est quoi le service social qui peut donner une aide à ces gens qui peuvent avoir un enfant et pas se laisser aller. Mais les gens qu'on peut voir ici ne se portant jamais dans leur cœur pour des situations pareilles. Ils se préoccupent juste de ne pas regarder. C'est ça les animaux humains. Les animaux humains sont indifférents à eux-mêmes et se composent d'une traîtrie. On peut les voir après d'eux devant dire on va à l'église, on va à la mosquée, on est bien, on est propre. On est propre dans quoi? Vous aidez même pas vos prochains. Regardez un royaume qui donne un sens que y a de l'argent. On peut donner de l'argent à des sans-abri. À ce moment... si cette femme, elle va maintenant dans le social et dit, regardez, elle a un enfant, donnez-lui l'argent, donnez-lui un appartement qu'elle puisse donner un très bon sens à faire vivre son enfant. Il faut vérifier ça. Mais tout ça, ça doit avoir aussi une sécurité. Mais la sécurité, même si elle n'a pas de papier, c'est pas important. On donne le sens à l'aider telle qu'elle est. Les gens ne se préoccupent pas de ça. Voilà, je vous laisse. Je continue tout simplement parce que c'est tout simplement triste de voir ça. Et c'est de cette manière que je détermine sur ma pensée que la vie c'est comme ça, quoi. Les gens, ce sont des animaux humains qui n'ont aucune pitié entre eux-mêmes. Ils se préoccupent juste de regarder s'ils sont bien habillés, la belle voiture, il n'y a que ça qui compte pour eux. Ils ne voient pas leur intérêt, ils ne voient pas l'intérêt de la souffrance des autres. Ça peu importe pour eux, quoi. C'est pas important parce que ça leur dérange plus qu'autre chose, évidemment. Encore des injustices, c'est bien triste tout ça, quoi. Mais c'est la vie des animaux humains. Ils n'ont pas de pitié entre eux, ils s'entretuent. Hein, et... Un fort droit, c'est bien ça. En fait, madame, excusez-moi monsieur, il y a un magasin, il n'y a pas un magasin, je sais pas comment ça s'appelle, un fort droit, c'est bien encore ici. Un faux droit. Un fort droit. Non, on m'a dit c'était bien ça chez le Watt. Il n'y a pas un faux drogue, il y a un faux clinique. Oui, c'est ça, voilà, là, ok, c'est ça. Hein? Voilà. Et là, je continue sur ce film, qui est très beau. Toujours dans des passages où tu vois certaines réalités très différentes des autres. C'est ça, les animaux humains. Les animaux humains ne se font pas de différence entre eux. Hein. Ils se font une différence sur le celui qui s'est bien habillé, qui est propre d'une... Voilà, c'est un magasin d'artistes, j'adore. Hein? Voilà, ici, c'est un croquis. Voilà, c'est bien ici. C'est une entrée, voilà, merci à toi. Hop, il a fermé cette porte. Attends, non, je crois que... Attends, vite fait.
Ah, merci, je vous remercie. Ici, là, hein, ici, je sonne où? Ah, ah, c'est gentil à vous, hein. Voilà, donc on continue toujours. Comme on y arrive tout simplement ici, voilà. Alors ici, c'est par exemple un Ford Rogue. Donc ici, quand on y arrive, attention, excuse-moi, on donne toujours un très bon sens à ce qu'on fait dans le film. Et voilà, ici, bon, je viens évidemment pour voir mon avocat s'il est là. Et c'est ça que je vais dire. Attention, les animaux humains sont indifférents envers eux-mêmes. Hein. On a pu voir des femmes qui ont des enfants en bas âge. Bon. On continue dans cet amour, tout simplement, oui, voilà, 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 ok, ok, merci. Voilà. C'est parce que je dois voir là, mon avocat, Maître de Crowley Vincent. Oui, voilà, donc c'est pour... Est-ce que je peux vous demander de... Je vous en prie, madame, je vous en prie, vous savez...